on avait jusque-là très peu travaillé sur la Shoah à l'est de l'Europe, la Shoah qui s'est passée en dehors des camps d'extermination, et que Yad a complètement réveillé l'intérêt pour ce sujet. Et maintenant, d'ailleurs, il y a d'autres projets aussi qui travaillent dessus, mais c'est grâce à Yad, grâce à l'écho des recherches de Yad.